je suis Michel Lalem et je vous présente aujourd'hui un smartphone, mais pas n'importe lequel. Ce modèle, c'est le Samsung i9000 Galaxy S. Avant tout, ce i9000, un nouveau smartphone doté vraiment d'énormes compétences et beaucoup de menus possibles et paramétrables. Mais avant tout, ce smartphone, c'est 12 cm sur 6 cm sur une épaisseur de 1 cm. Son poids, 118 grammes. Autonomie, forcément c'est important. En 2G, c'est 13h30. En 3G, c'est 6h30. Ce qui veut dire que clairement, au niveau de l'autonomie en veille, en 2G, c'est 750 heures et en 3G, 576 heures. Tout cela est dû grâce à la batterie lithium-ion. Donc ce téléphone, qui est avant tout 3G+, possède un grand écran de taille 4 pouces technologie AMOLED tactile ayant 16 millions de couleurs. Comme je vous le disais, il est 3G, il est quadriband, il est GPRS, doté du Bluetooth pour pouvoir le connecter directement avec d'autres appareils et il pourra se connecter à Internet grâce au Wi-Fi B, G et N. Ensuite, au niveau de la mémoire, c'est également important, 8 Go de mémoire interne et il est doté d'un slot micro SD, donc clairement la mémoire peut agrandir si vous rajoutez une carte micro SD. Au niveau des fonctions, qu'est-ce qu'il nous raconte ce téléphone? Il a avant tout la fonction forcément de téléphoner, mais également d'autres compléments. Exemple, la radio, fonction MP3, fonction appareil photo numérique, 5 millions de pixels, on le voit directement à l'arrière, 5 millions de pixels avec une petite cellule qu'on retrouve ici, et également fonction vidéo. Ce téléphone, il a également l'Android Market et il est doté d'un processeur ayant 1 GHz en puissance. Fonction GPS grâce à Google Maps, c'est également une petite application. Réseaux sociaux avec Facebook et Twitter et également il peut tout à fait lire tous les documents Word et Excel et PowerPoint grâce au logiciel déjà installé qui s'appelle Think Free Office Mobile. Donc c'est un logiciel en fait qui permet directement de lire tout cela en live. Donc on voit directement ici tous les menus. Hop, la petite touche menu vous donnera clairement tous les avantages. Donc là on voit vraiment qu'il y a énormément de possibilités. Sur ce téléphone, il a également accès entre autres à YouTube. Si vous êtes sur SFR, vous aurez accès à tout le portail SFR comme SFR TV ou SFR Wi-Fi ou bien SFR Musique. Il y a, on le voit ici tout en haut à droite, le fameux Think Free Office. Tout en haut également, le logo YouTube. D'ailleurs, si on va directement sur YouTube pour voir vraiment en live ce que cela donne, hop, là vous accédez directement à YouTube. Une petite recherche, on tape avec la main gauche, rue du commerce, le labo. Attention, n'oubliez pas, je suis droitier. On lance n'importe quelle vidéo et on va voir le temps de chargement et surtout la qualité. Bonjour et bienvenue sur rue du commerce, le labo. Je suis Michel Lalem et je découvre avec vous aujourd'hui la nouveauté de Dell en 17 pouces. J'ai nommé le Dell Monstro 3000. Bah, à première vue, ça charge très rapidement. C'est fluide et de bonne qualité. On reclique. On fait pause. Marche arrière. Et on ressort directement de YouTube. À première vue, c'est ultra rapide. Ensuite, il y a également tout plein de jeux qui sont installés. Vous pourrez installer. Là, je vois Zelda. Je vois également Iron Man. C'est des jeux qu'on peut télécharger directement. On voit également donc la fonction du lecteur MP3 en bas, lecteur vidéo. On va lancer vite fait une vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Le son est pas mauvais, l'écran format rectangulaire également de bonne qualité. Alors qu'est-ce que ça donne de beau cette vidéo ? Un petit peu sombre, mais je crois que le film est un petit peu sombre aussi. Ça doit être la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'est pas moche du tout. Bref, vous pourrez également voir des films, des petites vidéos, tout ça. Ça se passera bien avec ce petit Samsung i9000 Galaxy S. C'est vraiment un nouveau smartphone doté de plein de fonctions. Et également, lecteur MP3, c'est intéressant. Là, on doit avoir des petites musiques de jeux vidéo.